What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de plongée. Je suis au lac Ron, en fait, entre Baie-Trinité et Godbout. Au lac de mon enfance, c'est ici où est-ce que j'ai plongé en apnée à de multiples reprises durant l'été dernier. Si jamais c'est des vidéos que t'as manqué, qui t'intéressent, je vais les mettre en haut de l'écran maintenant. Il fait super beau aujourd'hui, un peu nuageux. Oui, l'eau va certainement être froide, mais je suis tellement hype de vouloir découvrir qu'est-ce que le lac Ron a à nous donner en fait. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de trouver des leurres de pêche. C'est vraiment là-dessus qu'on va focusser. Okay, on va faire un deal. Si je suis capable de trouver 100 leurres à pêche, donc 100 appâts à pêche durant mon été, je vais faire tirer un giveaway, guys. Probablement une carte cadeau Amazon, mais je vais faire tirer un giveaway. Et puis, pour être sûr et certain que vous ne manquiez pas, en fait, l'objectif, à savoir je suis rendu à combien de leurres trouver sur 100, eh bien, je vais toujours le faire apparaître en bas de l'écran à gauche en direct. Pour votre information en fait. Donc à 100 leurres, aussitôt que j'atteins 100 leurres de trouver, guys, on fait un giveaway pour vous. Je vais vous montrer un peu l'équipement que je vais utiliser aujourd'hui pour ma plongée, guys. Pour ma plongée aujourd'hui, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser dans un premier cas ma bille ici avec une bonbonne qui va me permettre de pouvoir respirer pendant près d'une heure. Avec ça, j'ai également mon sac de cochonnerie pour ramasser toute la trash. J'ai mon ordinateur, savoir à quelle profondeur que je suis. J'ai mon masque tuba, une lampe de poche, mes pannes que je pense pas utiliser aujourd'hui. Et puis j'ai également des poids parce que je vais littéralement flotter durant ma plongée. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour pouvoir être le premier à avoir les vidéos de plongée quand elles sortent. Là, je perds pas une seconde de plus, guys, puis on s'en va dans l'eau.
Thank you.
Alright guys, ça fait pas longtemps qu'on est sorti de l'eau. Damn, l'eau était glaciale. On est vraiment, vraiment tôt dans la saison. Là. Hier, dans le fond, le lac a calé pour la première fois. Et puis, oh, là, j'ai vraiment eu froid. Je vais quand même vous montrer les bangers que j'ai faites aujourd'hui. À commencer par ces espèces de bouteilles-là. Je pense que c'est peut-être des bouteilles de médicaments. C'est vraiment des vieilles bouteilles. Là. Il n'y a pas de trouvé de date. Je pense pas de trouvé de date non plus. Hein. Non, hein. Il n'y a pas de date, mais ça a l'air d'être définitivement des vieilles bouteilles de peut-être de médecine, de médicaments. On va, parce que c'est marqué genre no deposit, no return. Bon, ils sont quand même cool, c'est vraiment des belles bouteilles, je vais les nettoyer, je vais voir de quoi ça a l'air. J'ai également trouvé un vieux masque de plongée, mais à ta minute, pas aussi vieux que cette horrible chose, je sais pas non plus c'est vraiment un masque de plongée, mais ah, check avec ces grosses, man. C'est dégueulasse, puis en dedans, il y avait comme près de 2 pouces de marde dedans. Je sais pas si c'est un masque. Dites-moi, je pense, commentaire, gars, si vous pensez que c'est peut-être un masque de plongée. c'est vraiment dégueulasse. Alright, guys, ça va pas mal rapport à la vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'ai pas trouvé de banger, comme vous avez pu voir. J'ai juste vraiment décontaminé le fond du lac de mon enfance. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo également si t'as trouvé que ça faisait bien du sens. Nous autres, on va seulement aller jeter tous les rejets qu'on vient de trouver dans l'eau. Et puis, on va se dire à une prochaine vidéo, guys. Peace out.